Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'avais une idée qui me trottait dans la tête, c'était de me faire une petite station d'électricité solaire. N'y connaissant rien, j'ai pas mal cherché sur internet, alors malheureusement, comme bien souvent, j'ai pas trouvé grand-chose à la fois en français et destiné à des débutants. À force de chercher à droite à gauche, j'ai fini par trouver. Je suis enfin arrivé à me faire ma petite centrale d'électricité solaire que je voulais. Dans cette vidéo, je vais vous la présenter et vous expliquer en détail chaque composant. Voici de façon très résumée ma petite station. Ici, j'ai mon panneau solaire qui va me produire l'électricité. L'électricité, je l'envoie vers ce régulateur de charge solaire. Ce régulateur de charge solaire envoie ensuite le courant produit par le panneau vers une batterie, c'est une batterie de voiture. Sur cette batterie, je viens brancher un petit convertisseur onduleur qui va transformer le 12 volts continu en 230 volts alternatifs. Donc là, par exemple, je viens le mettre sous tension. Et sur ce petit convertisseur, je peux venir brancher des petits appareils en 220 volts, comme par exemple cette lampe. Et sur le régulateur de charge solaire, je vais pouvoir récupérer de la sortie USB en 5 volts sur laquelle je pourrais venir brancher par exemple un téléphone pour le recharger. Et puis sur ces deux bornes plus et moins ici, je vais pouvoir récupérer du 12 volts. Donc je pourrais brancher ici directement des petits appareils en 12 volts courant continu. Avant de commencer, je tiens tout de suite à préciser que ce type d'installation, bien qu'elle est petite et peu puissante, elle n'est pas sans risque. Il sera impératif pour votre sécurité et celle des différents appareils de bien respecter toutes les règles que je vais préciser dans cette vidéo. Pour commencer, voici un schéma global de toute l'installation. Ici, on retrouve le panneau solaire, c'est un 18 volts 130 watts maximum. Donc ça veut dire qu'il pourra produire un courant maximum de 7 ampères qu'on envoie sur le contrôleur de charge. À travers des câbles, moi je vais me servir de deux rallonges avec des connecteurs MC4. Ensuite, le contrôleur de charge va moduler le courant avec une technologie PWM qui va envoyer dans la batterie pour recharger la batterie. Sur le contrôleur de charge, on a deux prises USB 5 volts sur lesquelles on va pouvoir directement venir, par exemple, recharger un smartphone. Et on dispose également de deux bornes plus moins pour du 12 volts sur lesquelles on pourra venir brancher des petites charges en 12 volts. A priori, le courant maximum serait de 10 ampères à ce niveau-là. Et puis sur la batterie, sur les deux cosses de la batterie, on va également pouvoir venir brancher un convertisseur onduleur, ce qui nous permettra, à partir du 12 volts continu, de récupérer du courant alternatif, 220 volts. Donc là, derrière, on aura une prise secteur sur laquelle on pourra venir brancher des petits appareils en 220 volts. Alors dans cette vidéo, je vous repréciserai des choses par rapport à la batterie. Par exemple, attention, il faut forcément que la batterie soit une batterie plomb acide. Et puis, je vous expliquerai également par rapport au convertisseur onduleur qu'il en existe principalement deux sortes. Celle en onde sinusoïdale modifiée, donc non pure. Donc, ça ne conviendra pas à tous les appareils ici. Et puis, sinon, il en existe qui sont en onde sinusoïdale pure. Et là, normalement, ça convient à toutes sortes d'appareils qu'on pourra brancher ici, à condition bien sûr de respecter la puissance maximum que le convertisseur pourra délivrer. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, on va regarder dans le détail chaque composant. Alors pour commencer, on va avoir besoin d'un panneau solaire et du contrôleur de charge. Ce sont ces deux composants-là. Alors il se trouve que chez Banggood, ils ont un kit tout prêt qui comprend et ce panneau solaire et ce contrôleur de charge. C'est l'image que vous voyez actuellement à l'écran. Il coûte environ 150 euros. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien vers ce kit dans le descriptif de cette vidéo. Voici le panneau solaire, il a une dimension de 1,17 m par 54 cm. Comme vous le voyez, il est souple et il est équipé de deux cordons de à peu près 1 m, avec chacun au bout un connecteur MC4. 1 mètre de câble, ça fait un peu court, donc il est fort probable que, comme moi, vous ayez besoin de prendre des rallonges. Moi, j'ai pris deux allonges de 5 mètres, une pour le plus, une pour le moins, avec un connecteur MC4 que je pourrais enficher dans les câbles du panneau solaire. Ces rallonges, on peut les trouver soit chez Banggood, elles coûtent un peu cher, je trouve, pour 5 mètres, ça fait à peu près 30 et quelques euros.
Sinon, moi j'en ai acheté juste à côté de chez moi, à Argonnais, chez un installateur d'équipements solaires, et elles ne m'ont coûté que 18 euros les deux. Alors je leur ai demandé, ils peuvent prendre des commandes et les envoyer par colis. Donc je vous mettrai un lien vers les connecteurs chez Banggood et un lien vers l'entreprise qui me les a vendus et qui me les a même fabriqués sur mesure. Donc les liens, je vous les mets dans le descriptif de cette vidéo. Pour la rallonge, on n'aura besoin de connecteur MC4 que d'un côté, parce que de l'autre côté, ça sera simplement un fil dénudé qu'on viendra enficher dans le contrôleur de charge. Donc pas besoin de connecteur MC4 des deux côtés de la rallonge, mais seulement d'un seul côté. Le panneau solaire, il délivre une tension à vide de 21,6 volts, donc avec une charge, il délivre une tension de 18 volts. Il a une puissance maximum de 130 watts, ça veut dire que si on fait 130 watts divisé par 18 volts, il pourra produire un courant maximum de 7 ampères. Et les 7 ampères, ils passeront très largement dans la section des câbles qui sont fournis avec le panneau, et ça passera également très largement dans la rallonge du lien de Banggood, ou si vous demandez à faire la rallonge par un spécialiste du solaire. Regardons maintenant le contrôleur de charge fourni dans le kit Banggood. Il comporte 6 bornes de connexion. Alors attention, il faudra impérativement respecter les polarités indiquées sur le boîtier. À gauche, on a les deux bornes plus et moins d'entrée provenant du panneau solaire. Alors là aussi, encore attention, ne jamais brancher ici une autre source de courant qu'un panneau solaire. Au milieu, on a les deux bornes plus et moins qu'on va venir relier à notre batterie. Et tout à droite, on a encore deux bornes plus et moins de sortie du 12 volts en continu sur lesquelles bornes on pourra venir brancher des petits appareils en 12 volts courant continu. Dans ces bornes, on vient fixer les fils dénudés avec les vis qui sont sur le dessus du boîtier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le contrôleur comporte deux sorties USB 5 volts sur lesquelles on peut venir brancher par exemple un smartphone pour le recharger. Et puis le contrôleur, il comporte un écran LCD qui va afficher plusieurs infos, dont notamment la tension de la batterie, le fait que la batterie soit en charge, et puis on a également trois boutons de commande. On pourra, grâce à ces boutons, ajuster certaines variables, notamment la tension d'arrêt de décharge de la batterie, par défaut à 10,7 volts, de façon à ne pas trop décharger la batterie. Ça veut dire que quand la batterie atteint une tension inférieure à 10,7 volts, le contrôleur de charge refuse de décharger la batterie davantage. Et puis on peut également régler l'arrêt de charge de la batterie. Par défaut, c'est quand la batterie atteint une tension de 14,4 volts. Donc là, voilà, ce sont quelques exemples, mais il y a d'autres réglages qui sont possibles. Alors ce contrôleur de charge, il peut travailler avec des batteries en 12 volts ou 24 volts, mais vu que notre panneau solaire est en 18 volts, on devra forcément lui brancher une batterie de 12 volts. Le contrôleur de charge est fourni avec une notice en anglais. Bien sûr, notice à lire entièrement avec attention. Je ne vais pas vous la lire en entier ici, hein, mais je peux attirer votre attention sur deux points très importants. Ce qui est dit ici, ne jamais recharger une batterie autre qu'une batterie plomb acide. Et puis ici, ils attirent notre attention sur l'ordre de branchement et de débranchement. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour ceux qui auraient déjà un panneau solaire en 18 volts, on peut se procurer que le contrôleur de charge tout seul pour à peu près 10 euros. Je vous le mettrai aussi en lien dans le descriptif de cette vidéo. Maintenant, regardons la partie batterie. On va avoir besoin d'une batterie 12 volts, je rappelle, en plomb acide. Normalement, une batterie de voiture fait l'affaire. J'ai été en acheter une chez Noroto. C'est une 12 volts 70 ampères. Elle m'a coûté environ 100 euros. Alors 100 euros, c'est peut-être un peu cher. On peut s'en procurer par contre pour beaucoup moins cher dans une casse de voiture. Par exemple, j'en ai trouvé une en 40 ampères pour seulement 20 euros. Et en plus, elle avait seulement un an. L'avantage d'une batterie neuve, c'est qu'on est sûr qu'elle va durer plus longtemps. Mais on peut quand même se procurer des batteries d'occasion pour pas très cher. Et avec un peu de chance, elle peut durer aussi un certain temps. Concernant la batterie, plus elle aura d'ampères, plus elle sera longue à recharger, mais aussi plus elle pourra stocker d'énergie, donc plus on aura d'autonomie. Par exemple, si on branche un appareil qui consomme 5 ampères, eh bien sans aucun soleil, une batterie de 40 ampères pourra le faire fonctionner 40 divisé par 5, 8 heures, alors qu'une batterie de 70 ampères, elle pourra faire fonctionner cet appareil 70 divisé par 5, 14 heures. Pour les batteries, pareil, respectez bien les consignes de sécurité et d'utilisation qui sont notées sur les notices des batteries, notamment concernant le stockage, l'entretien. Donc lisez bien là aussi la fiche qui est fournie avec la batterie. Comme dit avant, la batterie doit être branchée au contrôleur de charge sur les deux bornes du milieu en respectant bien les polarités,
le plus de la batterie sur le plus du contrôleur et le moins de la batterie sur le moins du contrôleur. Pour relier la batterie au contrôleur, on va avoir besoin de deux pinces crocodiles qui sont à acheter. Et puis, moi, j'ai pris 1 mètre de câble de brin. Alors, pour le câble, dans mon cas, j'ai pris du câble de section de 0,75 mm². Ça suffit parce que je n'aurai jamais plus de 10 ampères de courant. Et comme mon câble, j'ai besoin que de 1 mètre, eh bien, je peux prendre du fil de section de 0,75 mm², comme vous le montre le tableau qui s'affiche actuellement à l'écran. Ce câble est aussi à acheter, parce qu'il n'est pas fourni dans le kit. On en trouve très facilement, par exemple, chez Castorama, c'est là que je l'ai pris. Et donc, il faut bien prendre du câble souple de brin en 5 mètres, en section 0,75 mm², si vous n'avez pas besoin de plus d'un mètre entre votre batterie et le contrôleur. Attention, bien penser à enlever le cache avant, venir le glisser sur le fil avant de venir souder, parce que sinon après c'est trop tard. À la fois on sertit le fil et puis je vais quand même faire une soudure pour assurer une très bonne connexion électrique. Voilà, j'ai soudé et maintenant je viens rentrer le cache. Pareil pour l'autre côté, je sertis d'abord et ensuite je vais souder. Après je prends mon multimètre, je le mets en position ohmmètre pour faire un test de continuité sur chaque fil. Donc avec le fil marron ici qui correspond à ça, donc normalement ma valeur de résistance doit dégringoler. Donc je viens toucher là, voilà, donc c'est bon, j'ai à peine 1 ohm. Donc c'est bon pour le fil noir et je fais pareil pour le fil bleu. C'est bon, mon test de continuité est bon, donc ça veut dire que mes soudures sont bonnes. Donc ce câble, les deux pinces croco vont venir ici sur la batterie. Et l'autre côté sur le contrôleur. Une fois que c'est fait par sécurité, je revérifie mes branchements. Donc ici c'est le plus de la batterie, donc c'est le fil bleu. Donc le bleu est bien sûr le rouge, donc là ça fait un peu comme dans la 7e compagnie, le fil rouge sur le bouton blanc et le fil bleu sur le bouton vert. Donc là c'est le bleu pour le plus, et puis là c'est le fil marron pour le moins de la batterie, et le marron c'est bien le noir, donc c'est le moins de la batterie, c'est bon. On va enfin avoir besoin d'un convertisseur onduleur pour, à partir du 12 volts continu, obtenir du 220 volts alternatif. Ce convertisseur, il doit être branché directement sur les deux bornes de notre batterie. Alors, il existe principalement deux catégories de convertisseurs, ceux qui délivrent une onde sinusoïdale modifiée, c'est-à-dire une onde sinusoïdale pas pure. Donc, sur cela, on ne devra pas brancher certains appareils, notamment les appareils inductifs comme des lampes fluo, des pompes ou des compresseurs. Et puis l'autre type, c'est ceux qui délivrent une onde sinusoïdale dite pure. Sur ces appareils, on pourra brancher tout ce qui tourne en 220. Alors il faudra aussi bien sûr veiller à brancher sur le convertisseur des appareils qui ne consomment pas plus de courant que le convertisseur ne peut délivrer. C'est pour ça que sur ces convertisseurs, il y a toujours une notion de puissance en watts qui est indiquée. Par exemple, il ne faudra pas brancher sur la prise 220 du convertisseur un appareil qui consomme 2 kW si le convertisseur a une puissance maxi de 300 watts. Et puis enfin, il faudra aussi tenir compte du pic de consommation à leur mise sous tension de certains appareils. Il faut savoir que par exemple, un appareil qui consommerait 100 watts peut nécessiter bien plus de puissance lors de sa mise sous tension. Dans le descriptif de cette vidéo, je vous ai mis un lien vers un convertisseur avec onde sinusoïdale modifiée en 500 watts et un autre lien vers un convertisseur à onde sinusoïdale pure d'une puissance de 3500 watts. Dernière précision très importante, tous ces composants, il va falloir les brancher dans un ordre bien précis, qui est d'ailleurs indiqué dans la notice du contrôleur de charge. Il faut relier d'abord la batterie au contrôleur, ensuite le panneau solaire au contrôleur, ensuite le convertisseur sur la batterie et enfin l'appareil que l'on veut brancher en 220 volts sur le convertisseur. Après, on met sous tension le convertisseur et puis après, on met l'appareil sur ON. Pour le débranchement, eh bien, il faut tout faire dans le sens inverse, c'est-à-dire d'abord débrancher les appareils du convertisseur, ensuite débrancher le convertisseur de la batterie, ensuite débrancher le panneau solaire du contrôleur et enfin débrancher le contrôleur de la batterie. Si on ne respecte pas impérativement cet ordre, on risque d'endommager le contrôleur de charge.